Et docteur Gédéon, il dit qu'il y a une bonne mesure précaution qui public qui mérite pas pour éviter qu'il se attrape sa virus. Parmi les bonnes mesures, il y a des bases telles qu'il lave la main de temps en temps, en un émoussoir ou bien tissu pour éternuer et éviter un contact avec la foule si on n'a aucun symptôme. Ça est très important à cause, par nous dit depuis auparavant, avec rapidité que ça. Que ça l'infection qui peut aller autour du monde, nous te connaissons, nous disons tôt ou tard, il peut arriver, c'est ça. Et l'objectif, c'est pour le temps qui arrive, nous détecter les bonheurs et nous prendre bonne mesure pour empêcher le spread. Et justement, c'est ça mon conseil que nous donnons du monde. Si vous commencez à gagner symptômes d'influenza, vous paquez tout la case, vous collez au sol de la santé, c'est-à-dire qu'il faut faire. Deuxièmement, vous avez besoin d'isoler le corps, c'est-à-dire ou pas. Ou éviter un contact avec les autres personnes. Ça veut dire ou parle de la foule, ou parle de l'endroit côté dans gathering, côté dans les autres personnes, ou rester dans la cour. Et en moyenne, après 7 à 10 jours, vous ne supposez pas capable d'infecter les autres personnes. Il est important que les personnes continuent, ça applique pour le public en entier, de continuer à pratiquer une prévention des bases. Et ça, il est recommandé que vous allez partout, tout le monde, tout expert in faire saison ou à pour dire ça est plus effectif. C'est-à-dire, là, vous l'emmenez souvent, à cause de nous l'emmenez, il porte quand c'est bactéries et virus, et les temps tout ça, s'il fasse une contaminé, après tout, ce n'est ou lisier ou bien ou la bourse, ou qu'à transmettre ça, virus avec vous. Donc là, vous l'emmenez souvent, avec de l'eau, savon. Deuxièmement, éviter les temps où vous pouvez tousser ou bien éternuer, servir un tissu. Et après, c'est un tissu dans bine. Si par contre, on n'a pas un tissu avec vous, servez-vous colle ses mises ou bien corps. Ça, son objectif, c'est pour empêcher ça, droplets, ça, aérosols, par exemple, nous dit, à dans l'air. L'été à dans l'air, il envole, elle le dit, qu'elle respire ça, ou bien, il l'aime le ainsi face, qu'elle le dit, qu'elle a prévenu tout ça. Sur l'état, ou bien, il y a un de colle, ou bien, il y a un de mise, il reste l'aime là, il parle. Après, évite un contact pose, évite embrasser, hug, et même dans le poignet de main, à cause de tout le poignet de main, dis-moi si il y a une bactérie, virus sur le main qui a transmis avec vous. So, ça a un contact. Si tout, si on a un symptôme, évitez un contact avec les autres personnes. Et ça, il y a une mesure préventive, des bases que nous pouvons conseiller aux gens pour faire. Et représentant l'Organisation mondiale pour la santé, ici c'est celle, Dr. Cornelia Atior, il dit que pour WHO, l'arrivée de sa virus ici n'est pas un choc. Il dit même si sa virus à présent arrive au stade pandémique, WHO n'a pas baissé son garde. En effet, WHO insiste que le pays met en place un mécanisme à tout niveau pour combattre contre sa virus, le fait qu'il souvent en a déphase l'infection. Yeah, WHO has not lessened their guard. We are still encouraging countries to prepare because we have seen one wave and this virus is unpredictable. It changes really rapidly and it could revert to very rapid and serious strain that can cause a lot of havoc in the future. So we need to prepare. And that meant that we need to have all sectors on board. We need to have the civil society, private businesses, private organizations playing their role. It is not only the Minister of Health that has to prepare. All sector ministries have to have their own plans in place in case of any serious eventuality. And especially the critical areas that provide services like PUC, education, health, they need to prepare. So we are calling upon all sectors to have a sectoral plan which will fit into an overall plan to be coordinated by a national coordination body like the Disaster Management Department. And how soon should this be in place? As soon as possible. Fortunately, the UN is in town and is helping to assist the country to put in place mechanisms of coordination with all sectors, with all organizations, civil society and humanitarian organizations at all levels, from national up to the grassroots level. We have to be ready.